Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Happy Mail, calendrier de l'Avent, récup, bref. Comme d'habitude, si toi, là, ouais, toi, ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une très bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire tes recherches. Pour les autres, je vous en dis plus tout de suite après la petite musique, comme d'habitude. Un de mes premiers calendriers que j'avais fait, c'était sous forme de berlingot que j'avais imprimé et que j'avais monté, collé, etc. Aujourd'hui, je vais faire une version recyclage de berlingot. On va partir sur des rouleaux de papier toilette. Vous imaginez bien que ça, ça ne va pas rester comme ça. Je vais utiliser ma gel presse pour customiser mon rouleau. Ça va être en accéléré, en musique. Je vais travailler les rouleaux rapidement. Et je vous retrouverai à la fin pour faire un petit blablatage. Alors, comme vous avez vu, ça prend 3 secondes et demie. J'ai fait, moi, des couleurs grunge, donc du jaune, du rouge et du violet, parce que j'avais envie de faire ce genre de couleurs. À ce stade-ci, je ne l'ai pas encore fermé, parce qu'il faut que je mette les petits goodies à l'intérieur. Donc, vous avez vu, vous pouvez très bien coller le rebord. Moi, j'ai agrafé. Une fois que les goodies sont faits, on peut très bien penser... si vous ne voulez pas coller, faire 2 trous et fermer par un petit cordage ou un petit flot. Et c'est vraiment quelque chose qui est très versatile, qui est très rapide, que vous pouvez faire pour un calendrier de l'Avent, pour un Happy Mail, pour ce que vous voulez. Je trouve ça génialissime. Pour ceux qui sont motivés, vous pouvez même le faire ça à Halloween. Mettre des petits goodies, des petits bonbons dedans. Et les enfants qui viennent, ils piochent une pochette surprise. Et ils ouvrent la surprise ou le sort. Une fois chez eux. Le calendrier de l'Avent berlingot, à l'époque, en avait mis plein les yeux. Donc en plus du customiser avec vos couleurs, je pense que ça peut être super top. Bref. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu laisses un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça t'a donné de l'inspiration. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo.